de passage sur le plateau de la boîte à secrets ce vendredi 22 janvier. Marianne James a eu droit à une déclaration surprise d'André Manoukian, Manu Katché et Dov Bhatia, ses ex-acolytes de Nouvelle Star. À propos de réunion surprise. Invitée dans la boîte à secrets ce vendredi 22 janvier, Marianne James s'attendait certainement à devoir évoquer ses jours au sein du jury de Nouvelle Star, mais comme Faustine Bollard en a désormais l'habitude, la chanteuse a eu droit à une déclaration inattendue et filmée de ses anciens acolytes, André Manoukian, Manu Katché et Dov Bhatia. Ses qualités, ses défauts, ses coups d'éclat comme ses coups de gueule, rien n'a été oublié. On l'aime et on l'aime beaucoup, a ajouté Dov Bhatia. Marianne, nous t'aimons très fort et nous sommes très nostalgiques de ces moments, tu nous manques beaucoup. Les ex-jurés se rappellent ainsi de leur poitou comme l'un des plus beaux souvenirs de leur vie. Message à l'endroit au cœur de Marianne James qui n'a pu s'empêcher de sourire en apercevant ses anciens complices sur le grand écran de la boîte à secrets. Nul doute qu'elle pourra les remercier de vive voix, le jury de Nouvelle Star est encore soudé à ce jour. La preuve qu'on s'aime beaucoup, c'est qu'on continue de se voir, de se téléphoner, de se donner des nouvelles, a poursuivi celle qui a choqué François Mitterrand, un lien indéfectible tissé en 3 ans de collaboration. André Manoukian, Dov Bhatia, Marianne James et Manu Katché ont été les jurés de Nouvelle Star pendant 3 ans, de 2004 à 2007. JLPPA Best Image 1 Quatuor devenu culte. Souvenez-vous, Marianne James a fait ses premiers pas dans l'émission en 2004, aux côtés de Manu Katché. Il rejoignait alors André Manoukian et Dov Bhatia, fidèles au poste dès la première saison du show. Après un dérapage devenu culte qui a failli lui coûter sa place, vous avez de la merde dans les oreilles, a-t-elle scandé, reprochant au public de ne pas avoir l'oreille musicale. Elle aurait pu reprendre du service en tant que jurée pour le lancement du reboot de l'émission en 2017. Stand Up, M6 lui a préféré Benjamin Biolay, Cœur de Pirate, Dany Sainté et Nathalie Noennec. Le succès n'a pas été au rendez-vous. Ce qu'il aurait fallu, il me semble, à un moment, c'est retrouver le jury qui avait tellement marché. Ça ne pouvait pas se faire sans Manu Katché, Dov Bhatia, André Manoukian et moi-même. Il aurait fallu reformer cette équipe, réagissait Marianne James dans une interview accordée à nos confrères de Télé Loisirs en 2019. La spontanéité a été l'ingrédient clé du succès de leur quatuor. Crédit photo, Capture France 3 Let's Block ADS. Why?